Eh bien, salut à tous, c'est Loul 5100 et on se retrouve pour ce 11e let's play de The Walking Dead. Alors, ça sent très mauvais, hein, non, pas seulement parce que ça part en cacahuète complet, mais également parce qu'on se retrouve dans les égouts, donc on se retrouve seul, hein, Lee est séparé de Kenny, de la petite Clémentine et d'une inconnue dont je me rappelle plus le prénom qu'on a rencontré, qui nous explique qu'en ville c'est un foutoir pas possible et que de toute façon on aura beau chercher, on trouvera pas un seul bateau, que tout a été dépouillé dans toute la ville. Donc c'est génial, la moitié de la ville est gardée par des psychopathes où la loi du plus fort règne. Donc on en est là, c'est Loul 5100, je suis un survivant. On va en chier et c'est parti! Allez, voilà, ça donne envie. Esquive. Voilà, voilà. Voilà, c'est bien, comme ça, ça tombe, c'est déjà mort. Enfin, pour la deuxième fois. Et puis voilà. If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Non, t'es tout seul, Lee. T'es tout seul et puis je sens que ça va être la galère. Shit. Ouais, c'est le mot. D'ailleurs, ça renifle un peu. Hein. Après, c'est normal, hein. On est dans les égouts. Un petit passage génial, génial. J'adore m'engouffrer dans les tréfonds de la terre en pleine période d'apocalypse. Apocalypse, ouais. Non, je suis pas fatigué, tout va bien. Qu'est-ce que... Oh, génial. Bah tiens, si on les ramassait. Bon, allez, si, tu les jettes dans la gueule des zombies, là. Des petits Mickey comme ça dans la tête. Pouaf. Ça s'ouvre, ça? J'entends des bruits, donc il y a du zombie pas loin. Ah d'accord, mais ça marche comment? Oh putain. Bon, ok. C'est ce que je viens de regarder. C'est bien, l'épisode il démarre, je suis déjà en stress, c'est génial. Oh shit. Shit. Won't go anymore in that direction. On va le prendre avec nous. On peut se barrer par là? Oui, oui, on peut, oui. Tu peux le faire, Lee, vas-y. Ok, ça démarre pas trop mal. Pour l'instant, on sait ce qu'on a à faire. Hein.
Ok, ça sauvegarde. Ça sent pas bon. Là, ça va les attirer. On repasse par la petite canalisation. Et on esquive tout le monde. Allez. Ok. On attend qu'ils soient tous passés. Et on y va. On recule un peu. Voilà. Je pense que c'est bon. Elle là-bas, on va y aller à coups de piolet. Oh merde. Oh merde. Oh, j'aimais bien Brassens. Oh, je suis dégoûté. Merde. Allez, ça c'est bon. Ça va, ils ont rien entendu. Ah, je suis dégoûté pour Chuck, quoi. Je l'aimais bien, ce mec. Allez, allez, Lee, tu peux le faire. What the hell? Oh merde. On dirait qu'il y a plein de trucs. Il n'y a rien à récupérer là. Il n'y a rien d'autre. Et j'embarque rien. J'ai un piolet dans le fion, un flingue, mais je peux pas prendre de la bouffe en plus. Oh merde. Who are you? It's all right. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look. I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Non, je suis pas de Crawford. They don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I think you better start talking. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here? Sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. I'm not from Crawford, but I saw what they did up there. It made me sick. I'm not like them, and I don't think you are either. I think you're a good man. Keep back, or I swear I'll shoot. Oh, attention.
It's all right. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Relax. I'm not here to hurt you. You're really not from Crawford? No. Non, je suis pas de Crawford. Really not. Well, we are, or were. We got out of there when they started sealing up the place, you know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? The morgue? Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? Moi, j'ai pas trop eu le choix, hein. My group and I were up by the river looking for a boat. Now I just want to get out of here and find them again. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Look, I'm sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter, too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. Oh, merci, mec. Did you hear? Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. Oh, j'espère que tu vas pas crever, gars. C'est pas mon but, hein. J'ai juste besoin d'aide, moi. C'est tout. Oh, c'est le bordel. Trophée obtenu, groupe de soutien. Clementine? Clem? Molly? Oh, hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? I'm the one who saved his ass back at the river. Who's the fossil? This is Vernon. He's a doctor. He helped me get back here after we got separated. I think you have something that belongs to me. Elle est charmante. Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Oh, cool. Alors qu'est-ce qu'il a? You're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Clementine? Où est la petite? Clementine, you in here? Where is she?
Clementine? Oh, une partie de cache-cache, génial. Est-ce qu'on est toujours surveillé? Clem, you in here? Clem's drawings. But where is she? Oh, c'est Glock. Oh, voilà le dessin, quoi. Moi en train d'enterrer le gamin. Oh. Clementine, you here? Un labyrinthe, cette baraque. What are you doing? Oh, you know, just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? Bon, ça va, je vais y aller, je vais y aller. I don't care about that. I just want to find Clementine. Clémentine, t'es cachée dans le tiroir? Clementine? No sign of her in here. Oh, je sais qu'elle est pas grosse, la petite, mais quand même, quoi. Molly? I told you, that girl isn't with me. Go ask your buddies and quit bothering me. Oh là là, un carafon elle aussi. Hein. Bon, c'est quoi le délire avec la petite là? Don't see her out there. Oh putain. Clem? Clementine? Elle dit qu'elle l'avait vu en bas, je vais quand même fouiller par là. Hein. Ouais, d'accord, ok, il fait du surplace. Là, on sort de là. Clementine! Come out, please! Kenny? Oh, hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Bah, tu te bourres la gueule, mon gars? Where'd you get the bottle? Found it. You want to throw down again like back on the train? Because I fight better when I'm shit-faced. What the fuck were you thinking letting Kenny get like this? Hey, man, I tried, but he gave me a look like he was gonna rip my face off. He won't listen to you. You think he was gonna listen to me? To hell with you! Oh, Kenny, tu commences à faire chier ou quoi? Yeah? Well, what is? We are fucked! Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us, that crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Have neither of you seen Clementine? Damned if I know. Gotta be around here somewhere. Ben, how did Clementine sneak out of the house? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse, and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. Et je t'agresse pas, toi. Arrête aussi. She was frantic, things got kind of crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? It's okay. I'm not mad at you. I just want to know where she is. Think she went out to play in the backyard? On her own? With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be, or it's your ass. Il balance son secret, je crois que Kenny lui...
Ben, le tue tout simplement. Parce que la mort de son gosse et de sa femme, ce sera sa faute. Donc il devrait se détendre un peu là, l'étudiant. Parti avec ceux qui lui parlent au talkie-walkie. Bordel, elle est où la piotte? Oh, c'était Glock l'épisode d'avant. Oui, d'ailleurs, je suis désolé. Hein. C'est pour ça que j'ai mis le titre « Âmes sensibles s'abstenir ». L'épisode d'avant, franchement, le passage avec le gamin, ça m'a retourné le bide. C'était vraiment pas surjoué pendant que je faisais le let's play. Ça m'a filé la gerbe. Franchement. Je trouve qu'ils sont allés très loin dans le Glock. Et c'est pas passé. J'ai eu du mal, je me suis dit que effectivement c'était hard. Donc ouais, voilà. Ça m'a mis un coup dans la gueule quand même. Même si c'est qu'un jeu, c'est foutrement bien foutu, quoi. La musique, les plans, la lenteur du truc aussi, ce qui fait que je me suis fait prendre par surprise aussi par le mec qui apparaît derrière moi. Pendant que je suis en train d'enterrer le minot, mais cette scène, je l'ai trouvée particulièrement ignoble. Je dirais même que après les cannibales et tout, c'est même au-dessus des cannibales, en fait, c'est la pire scène du jeu. Bon, là, je commence à stresser. J'aimerais bien savoir où est la gamine. C'est pas vrai. C'est quoi là-dedans? Moi, je dirais des zombies, mais c'est fermé de l'extérieur. Ah bah, et pourtant, il y a quelque chose derrière, là, mon gars. Et je vais ouvrir, hein, je vais regretter, mais... Oh putain. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là-dedans? What were you doing in there? Exploring? And look! Look what I found! Elle m'a foutu les jetons, la piotte, là! Elle m'a fait monter en pression pour The Bee, quoi! C'est pas vrai, c'est une blague. C'est une fucking blague. Swear. Ouais, je sais, mais je m'en bats les roustons là, ma piotte. Oh, paf. Oh, le retournement de situation, ça fait du bien, tiens. Récupère un minimum d'espoir dans la suite de cette histoire, parce que depuis le début, mais c'est de pire en pire, quoi. Bon, alors au mid, qu'est-ce qui lui arrive? Faut couper ou pas? Omid's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Cleaned out the wound, but he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? C'est pas faux. Well? You want the good news or the bad news? Let's get the bad news out of the way first. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Well, how are we supposed to get that stuff? We should go back out on the street, see what we can find. That's not gonna work. Crawford took everything and brought it inside their walls.
They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there. You saw that for yourselves. On va être obligé de se friter avec les mecs de Crawford. Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try. If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man, might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. That's putting it mildly. We're armed and we've got the numbers. I say we just go in there and take what we need by force. Okay, that is literally the dumbest idea I have ever heard. Crawford's like a goddamn military base. They've got hundreds of people in there armed to the teeth. And that perimeter's guarded day and night. You're gonna have to be smarter than that. Oh, maybe we can be. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need, and get out before they even knew what hit them. Okay. It's not bad. That's better. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? Anyone else have a problem with this plan? Because we're gonna need every one of us to pull this off. Man, I don't know. I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Oh, ça va partir en live. Still alive. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? It's what going to be dangerous? Crawford. I can't lie to you, Cliff. It's gonna be dangerous, but it's the only way to get the things we need to make Omi better and get the boat working. That's why we have to do this. Do you understand? I don't want anyone else to die. No one else is gonna die, I promise. You can't promise that. Elle me tue la gosse, hein. Ouais, je suis désolé, hein. Plus on avance dans les Let's Play de Walking Dead, moins je déconne, mais c'est de plus en plus lourd en même temps l'atmosphère, quoi. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Where I'm going, it's just too dangerous for children, especially. You said I'm supposed to always stay close to you. Pas là, pas là, ma petite. Can't I come with you? Non, 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 non. Là, tu viens pas. No. I'm sorry. C'est trop dangereux. Je suis désolé. J'embarque pas la petite, quoi. Il y a des centaines de mecs armés. On sait pas s'il y a des zombies. On va attaquer par les égouts. Non, je mène pas une gamine de 8 ans avec moi faire ça. Ben, t'as intérêt de te sortir les doigts du cul parce que sinon je te bute là. Mais pour de bon.
Check out what I found in the garage. Hatchet, hacksaw, some other tools. Might come in handy on this little break-in. Nice. Can I talk to you a minute? Pardon. What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So, we're gonna have a capacity problem. Assuming everyone makes it back alive, there ain't gonna be room for everyone. What are you trying to say? Just giving you a heads up is all. Thought you ought to know. Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Good. We're gonna need all the help we can get. I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. Then what are we waiting for? Let's get moving. Obligé, on va perdre du monde. Il y en a un, deux ou trois qui vont crever, quoi. C'est pas possible. You understand why you have to stay behind, don't you? I guess. Plus, you have a job to do, an important job. I need you to stay here and watch over the house. Watch over Omi. What should I do if something happens while you're gone? Here, I want you to take this. You remember how to use it, don't you? It's just like I showed you. I remember. So if anyone tries to get inside the house that isn't one of us, or if something does happen to Omid... I know what to do. Pourquoi je sens que j'ai fait le choix de merde? Un pressentiment comme ça, une petite odeur qui flotte dans l'air, une flatulence discrète. Mais un truc, je le sens pas là. Let's get this over with. Et prends-toi une arme toi aussi, hein. Puis des couilles. Ça te sera utile. Hein. Tu te les accroches sous le spaghetti là, et puis tu t'en sers, t'es gentil bonhomme. Hein. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We go in hard, hit them by surprise, grab what we need and get the hell out. We need to do this fast, so everybody stay sharp, stay alert, and stay close together. Got Kenny, t'as des cuvées? Vaut mieux, hein? Allez, allez, on est parti pour... on est parti pour la session qui pue la merde. Parce qu'on quitte les égouts, mais c'est là, c'est à l'extérieur que ça va schlinguer le plus, je crois. Let's go. On pourrait se faire flinguer comme des lapins, quoi. There should be guards patrolling. What? You disappointed? It's just strange, is all. I think I see one. Over there by the door. Okay. Me and Kenny will take this guy out. On my signal, the rest of you follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny, let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. Y'a intérêt, Kenny. Merde. Tu vas voir qu'il y a que des zombies à Crawford. Oh merde. Quoique d'un côté je préfère ça parce que les humains ils sont plus dangereux quand même. What the fuck is a walker doing inside here? Get inside, fast! Il y a que ça, il y a que des rôdeurs, bordel. Oh, c'est pas vrai. Trophée, la dernière ville de Géorgie. Ok. Sous-titres, please. Les enfants en dessous de 14 ans, pas admis. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir vite fait. Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Il y a des chances. Bah, ils sont où les autres?
Vous entendez les petits gargouillis là? Parce que moi, au fond du casque, je les entends. Hein. This must be the way to the playground where Bree said the fuel was being stored. Oui, mais bon, là, t'es tout seul, Gary. Après, le truc que je trouve assez comique, si je puis dire, dans Walking Dead, c'est que tous les humains galèrent avec des flingues. La plupart du temps, ils se font buter alors qu'ils ont des armes à feu en main. Alors qu'en fait, ce qui est le plus efficace, c'est les armes blanches contre les zombies, quoi. Quand tu vois Michonne avec son katana, mais elle déglingue tout. Elle pourrait te faire une cinquantaine de zombies qu'à côté, l'autre avec son Beretta, il se fait bouffer le cul en moins de deux parce qu'il n'a pas la cadence qu'il faut. Logan. C'est marrant ça. Bon, je vais bien aller voir l'essence en fait parce que j'ai l'impression que je m'éloigne beaucoup là. Parce que bon, on va peut-être aller voir l'essence hein, parce que j'avance mais autant je peux plus faire demi-tour après quoi. Alors d'un autre côté, je sens que ça va puer du cul, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de choix. Il nous faut de l'essence pour le bateau, de tout, enfin quoi qu'il arrive. Ah, bon d'accord, tout ça pour ça. J'aurais mieux fait de tracer ma route. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en moi. C'est mis ta gueule, ok. You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, Lee. Don't worry. Bon, ben je fais quoi, moi? You sure you two don't need any help? We're taking care of it, Lee. Don't worry. Ben j'ai loupé quelque chose. Fallait partir dans l'autre sens. On peut l'ouvrir. Logan. Alors est-ce qu'il y a la combinaison de Logan quelque part? Ah, on peut aller par là. Mais bon, on est d'accord. Ça chenouf. Ouais, ouais, il y a les gargouillis qui reviennent. Ça chenouf grave. Okay, people, this is it. Remember the plan. We go in hard, hit them by surprise, grab what we need and get the hell out. C'est quoi ce délire? On a déjà vu ça. So everybody stay sharp, stay alert, and stay close together. Got it? Et on reste proche, ok. Mais attends, c'est quoi ce bug? Non, mais c'est quoi ce délire? Je crois que mon jeu a bugué complet là. Donc je vais quitter puis je vais relancer hein. À toutes les amis. Donc voilà, j'ai tout relancé, hein. J'espère que on va pas devoir se retaper l'épisode du début. J'ai pas c'est quoi ce bug de merde là, nous renvoyer au début. Oh putain, on reprend là. Bon.
Eh ben, on va faire sa fille ça, hein, du coup. Hein. Put your hands over your head and get down on the ground. Get down on the ground or we'll put you down. Do it now. What the oui, fuck? Du coup, j'ai fait une variante, hein, tant qu'à faire. Inside here. Get inside, fast! Bon, là, je vais pas me faire chier à fouiller les casiers et tout ça. Bon, à part peut-être le casier de Logan, hein, des fois qu'il puisse s'ouvrir avec une combinaison. Mais là, je pige pas, quoi. Je ne pige pas le petit bug à la con. Ah, il y a quelque chose en haut. J'avais pas vu ça par contre. Tiens, bon, mais pas plus mal. Le bug aura servi à quelque chose. Enfin, peut-être pas. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa tête là? Ah, je peux grimper? Ah ben c'est pas plus mal. Ah, il me faudrait le piolet là. Bon, les autres ils sont à côté, ils sont en train de voir les portes. Et nous on se barre par là, on est d'accord. En espérant que ça va pas nous renvoyer dans les égouts. Hein. Retour vers le futur, là, je sais pas c'était quoi ce délire, mais. Bah oui, où est Molly? Oh, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Bon, je crois que je vais devoir relancer le jeu, j'ai pas le choix. Donc, voilà. Bah, à toutes les amis. Bon, en fait, on en est déjà à 3 quarts d'heure de vidéo, donc on va s'arrêter là. Je vais essayer de résoudre ce bug pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et à toutes. Ciao !